ça s'est vraiment passé comme ça? Pour la marque de la voiture, je suis pas tout à fait sûre, mais pour le reste, quasiment comme ça, ouais. Il était fort, papa. Mais vous êtes qui? Le comptable de la bijouterie Masséna. Votre diamant brut, c'est moi qui l'ai refilé à Jean. Oh putain! Jean, c'était un hibou. Pendant 8 ans, j'ai vécu avec un sale type, un sale mec, un minable. Tu sais quoi le pire? Il a mis un innocent en prison. Tu m'excuses, je vais chercher les cigarettes. Je reviens dans 5 minutes. Hey Yvonne, ça va? Il va bien le gars. Il a fait de la muscu, il a pris des champs corse. Louis, c'est notre faute tout ça. Il est perdu ce type, il est complètement largué. Mais c'est quoi ce truc de massacrer calmement les gens comme ça? On avait pas l'impression que tu te battais, on avait l'impression que tu rangeais ton bureau. Ça va monsieur? Pardon, oui, parfaitement, madame. C'est ça l'excuse? J'ai fait 8 ans de temps, je suis innocent, j'ai le droit de scalper des vigiles sur le trottoir? Non, mais tu te rends compte que t'as bouffé le règle de ce mec? Oh! Pardon, je suis désolé. Vous pensez que vous en avez pour longtemps parce que... Je suis désolé, je suis encore au travail. Je vais prendre une bouteille de cognac, s'il vous plaît, avec du pain. Je vous demander de régler et quitter l'établissement. Je m'attendais un peu plus de souplesse. Mais oui, non, enfin, il est un peu tard, pardonnez-moi, mais... Vous voulez pas laisser les cuisines ouvertes? Vous vous foutez de moi là? 2 heures de retard, vous foutez le feu à la ville! Je veux rien à faire, putain, le gars! Mais qu'est-ce qu'il dit? Vous en avez pas marre, au moins? Ta gueule, mais bien sûr que j'en ai pas marre de vous! Oh, je sais pas comment vous faites. Mais moi, j'en peux plus de moi-même. Pardon, je suis.